Les penseurs de bonne œuvre récoltent toujours la reconnaissance. Du retour de la grande caravane de sensibilisation et de mobilisation pour la paix dans la 8 cercles de la région de Mopti, menée par le Mouvement pour l'Union des Maliens, en partenariat avec la ZZE, le ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, le calife Cheikh Harouna Sankaré et les caravaniers ont été reçus au cours d'une remise de diplômes de remerciements organisés en leur honneur au ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. Présidé par le ministre de tutelle, M. Mohamed El Mokhtar, cette cérémonie a enregistré la présence des familles fondatrices de Bamako sous le représentant du ZZPASP. Le ministre a salué le courage des caravaniers qui ont mené cette caravane à bien. Outre la caravane, le ministre a aussi rappelé les bonnes œuvres dont le calife Cheikh Harouna Sankaré a fait et continue de faire preuve. Je ne sais que vous dire. Quand je vois des hommes et des femmes qui s'engagent pour la paix, la réconciliation, la cohésion et la stabilité de nos pays, pratiquement à leurs frais, parce que ce que M. Sankaré ne vous a pas dit, c'est qu'il a pratiquement dépassé le triple de ce qui a été prévu par notre partenaire et par nous-mêmes. Et quand je vois ces comportements, je me dis qu'il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Que des Maliens braves tous ces risques que nous connaissons sur le terrain, et qu'ils prennent de leur temps, qu'ils prennent de leur santé, qu'ils prennent de leur argent et qu'ils aillent sur le terrain en ce moment-ci, c'est quelque chose à saluer et je voudrais vous saluer. Dans notre pays aujourd'hui, vous avez des Maliennes et des Maliens. Ils ne sont pas nombreux, heureusement, qui sont dans une course effrénée pour chercher de l'argent et le pouvoir. Quand vous voyez de l'autre côté ceux qui sont prêts à mettre leur argent dans la paix et la stabilité du pays, et sont les plus nombreux, vous en faites partie. J'ai dit, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, l'espoir est permis dans ce pays-là. Et comme M. Sankaré l'a dit, c'est un tourbillon qui nous arrive. On va le traverser. Et Inch'Allah, en les traversant, nous deviendrons encore plus forts et plus unis. Parce que notre salut est dans notre cohésion, dans notre unité et dans notre vivre ensemble. Donc, je vous salue, je vous remercie. Ce que vous avez fait sous l'autorité de votre chef, ce n'est pas ce diplôme qui récompense cela. C'est Dieu qui vous le revaudra. Ce n'est qu'un témoignage. Uniquement un témoignage. On ne peut pas vous payer ce que vous faites, ce que vous avez fait. Et vous allez continuer à le faire, puisque le mouvement lui-même est intitulé « Mouvement pour l'unité des Maliens ». C'est déjà la réconciliation et la cohésion sociale. Vraiment résumé en trois lettres. Il y a ceux qui croient que ce qui se passe à l'intérieur du pays ne les intéresse pas. Nous, ça nous intéresse. Partout où il y a problème au Mali, ça nous intéresse. Et ça devrait intéresser chaque Malien. Et vous êtes les premiers à l'avoir compris à travers votre chef. Je voudrais vous remercier. Ça ne fera pas de lui un ambassadeur. Il l'est déjà. Il l'est déjà. Il l'est déjà. Nous sommes heureux surtout de l'avoir connu et d'avoir travaillé avec lui. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce qu'il y a un vieux qui me dit que la richesse d'un homme, c'est si chaque jour vous faites la connaissance d'une personnalité, d'une personne, vous vous enrichissez. Vous vous enrichissez. Et j'ai eu la chance et je l'ai connu. Et c'était un enrichissement pour moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Et continuons ensemble. La route est encore longue, elle est difficile. Mais je crois que vous et nous, on est dédiés à cela et les obstacles ne vont pas nous arrêter. Ils ne vont pas nous arrêter. On va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Un autre temps fort de la cérémonie qui vient. Dans son allocution, le président du mouvement pour l'union des Maliens, Cheikh Harouna Sankaré le calife, a réitéré son engagement pour l'union, la paix et la cohésion sociale des Maliens. Nous avons initié cette caravane pour apporter de façon symbolique notre contribution pour la prévention des conflits, au rétablissement de la paix et au renforcement de la cohésion sociale dans tout le Mali, et particulièrement dans la région de Mopti,
agitée depuis quelques mois par une situation désastreuse, sans précédent et sans explication. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de guerre entre les communautés et que c'est les ennemis des populations maliennes, les ennemis du Mali qui veulent en créer. Et ces ennemis sont en notre sein et à l'extérieur de nous. C'est pourquoi nous devrions être vigilants et nous mobiliser tous pour la paix pour le Mali, un et indivisible. Chacun pourrait faire cela si nous nous pardonnions les uns les autres. Et c'est ensemble que nous pourrions relever ce défi. Celui de revoir un Mali havre de paix, uni et solidaire, oubliant les horreurs de son passé et projetant son regard vers l'avenir. Cette caravane qui a duré du 24 février au 12 mars a concerné les 8 cercles de la région de Mopti. Au cours de ce périple, nous avons été partout accueillis chaleureusement par des populations avides de paix et de sécurité, anxieuses de leur sort et de celui du Mali. Partout où nous sommes passés, nous avons apporté des messages de réconciliation, de paix et de renforcement de la cohésion sociale et nous avons rassuré les populations que cette crise passera comme un tourbillon et que le Mali sortira plus que jamais fort. Monsieur le ministre, cette caravane initiée par le mouvement pour l'union des Maliens est une contribution aux multiples efforts déployés par le gouvernement à travers votre département dans le cadre de la réconciliation nationale, en invitant tous les Maliens à s'unir pour la paix et la réconciliation. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour cette distinction honorifique qui nous renforce davantage dans notre combat pour la paix et la réconciliation nationale. Aussi, Monsieur le ministre, je voudrais que vous remerciez en notre nom le gouverneur de la région de Mopti, les préfets des différents cercles et votre chargé de mission. Cette cérémonie de remise des diplômes de remerciement vient confirmer la nécessité d'une paix définitive dans le cœur et sur le sol malien parce que les filles du Mali n'ont aucune autre terre si ce n'est que le Mali. Vivement la prochaine caravane qui aura pour nom la caravane du beau temps.